que du rap. Parce que je peux faire les doigts dans le nez. Mais ça m'intéresse pas, moi je fais ce que j'aime. Donc en fait, toutes ces questions-là, pour moi, ça n'existe pas. C'est ça que je voulais dire en fait. Quand je fais ma musique, je me dis pas est-ce que les gens vont kiffer, est-ce que moi je kiffe. C'est un endroit auquel tu penses encore beaucoup. Tu vis à Miami maintenant. Est-ce que c'est un endroit qui te, je dirais pas qui te manque, mais qui te C'est pas l'endroit qui me manque parce que, comme je dis, un quartier ça fait pas les amis et ça fait pas. C'est pas parce qu'on est tous du même quartier qu'on est forcément tous amis. C'est plus les gens qui me manquent, les gens avec qui je traînais à l'époque. Il y en a que j'ai perdu de vue, il y en a qui nous ont quittés. C'est plus ça qui me manque, une ambiance. Mais bon, aussi, c'était un mode de vie que je peux plus reproduire aujourd'hui. Je me couche à 8h du matin, je voyais pas le jour pendant. En hiver, je me rappelle, des fois je voyais pas le jour pendant des mois. Je rentrais chez moi à 8h, il faisait encore nuit, c'était l'hiver. Je me réveillais à 4h, 5h de l'après-midi, il faisait nuit. Et voilà, c'est là que j'ai tout fait. J'ai fait mes 400 coups, je suis allé en prison, je suis revenu, je suis reparti tourner en prison. Voilà, entre temps, en même temps, on faisait la musique. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. Beaucoup de personnes qui sont chères pour moi. Cette année, tu as sorti ton septième album et quand on écoute ta musique, en fait, on a le sentiment que c'est presque une série en fait, qu'on est comme dans une série qui a des saisons en fait. Et la saison 7 de Booba, ça serait quoi? Comment tu la résumerais? Mon rap, il évolue avec ma vie, avec mes succès, mes échecs, mes succès surtout. Donc ouais, c'est des saisons, c'est plus j'avance, plus j'évolue. Par exemple, là, j'ai des enfants, j'en parle dans mes chansons. J'habite à Miami, j'en parle, ce que je fais ici, j'en parle, mes projets, ma réussite, etc. Donc c'est vraiment, ça évolue, j'essaie d'être le plus honnête possible. Bon, bien sûr, ça reste durable, donc c'est romancé, je parle encore du passé, de trucs de violence parce que j'aime ça. Mais sinon, ça parle, ça va avec mon rap, il vit avec son temps, quoi, avec mon temps. J'ai l'impression que c'est sans cesse renouvelé. Il y a toujours des punchlines qui viennent de nulle part, ça reste ton plaisir numéro un. Bah c'est là que tu fais vraiment la différence avec un autre rappeur. Même si t'es un rappeur qui est entre guillemets rappeur du moment, qui plaît, mais sur la durée, c'est toujours l'écriture qui va faire la différence. Déjà dans le temps, les gens vont s'en rappeler, il y a des faces qui marquent, il y a des gens qui se tatouent mes paroles sur le corps. Donc c'est vraiment ça qui reste, c'est les paroles. Comment est-ce que tu conçois aujourd'hui ton statut justement? Tu dis c'est moi le numéro un, je suis au-dessus. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te pèse ou qui t'excite? Est-ce que c'est l'idée de conserver cette espèce de leadership en français, ça t'oblige à te surpasser? Donc être numéro un pour moi c'est un devoir. Je peux échouer, mais c'est dans ma tête, je dois être numéro un, je dois être meilleur. C'est comme du sport, si tu fais du sport à haut niveau, ton but c'est de gagner. C'est pas de faire médaille de bronze ou d'argent, c'est médaille d'or. Après tu arrives ou tu arrives pas, mais le but c'est toujours ça. Donc quand j'écris, voilà, je veux être au top. Est-ce qu'il t'arrive parfois de te fatiguer toi-même avec les choses que tu t'imposes, aussi bien ces clashs qui peuvent paraître anecdotiques mais qui te prennent beaucoup d'énergie, et cette volonté voilà, de te dépasser justement pour être toujours au top, être le premier, est-ce que ça t'épuise pas parfois? C'est aussi épuisant qu'un sportif qui se dit putain je suis qualifié au JO, maintenant je suis dedans, je peux plus faire marche arrière, faut que je gagne. Donc c'est une bonne fatigue on va dire. Ça me fatigue pas, ça met juste une pression. Et la pression c'est vrai, c'est fatigant, ça peut être épuisant. Mais voilà, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Donc les clashs en fait ça m'a pas vraiment dérangé. Dans la mesure où je les gagne. Donc ça m'a même motivé parce que ça m'a fait faire quelques morceaux. Qui sont devenus des classiques comme assez Milan, etc. Mais je veux dire, beaucoup de mes classes sont devenus des morceaux que j'ai joué en club, en concert, et qui font partie de ma discographie. Donc au final, ça m'a donné un petit coup de boost, ça m'a forcé à sortir, à donner quelque chose en plus. Donc non, c'est. Après, si j'avais perdu les classes, ça serait autre chose. Là, ça m'aurait fatigué. Mais pour l'instant, c'est moi qui fatigue les autres. Sur le dernier album, il y a beaucoup de nouveaux venus dans la prod, des gens qui débutent avec toi. Est-ce que c'est important d'avoir rencontré ces gens-là? Est-ce que c'est important de renouveler toujours les gens avec qui tu collabores?
c'est pas important de... Oui et non. Ça peut être important de renouveler si les personnes avec qui tu travailles, si ton travail commence à tourner en rond, c'est important. Mais j'aurais très bien pu continuer avec thérapie s'il faisait du bon son. Si c'est ça me plaisait, j'aurais très bien pu continuer avec lui. Donc en fait, ça s'est fait... Vu que j'ai arrêté de travailler avec lui et qu'il faisait une bonne partie de mes instrus, j'ai fait ce que je ne faisais pas avant, c'est-à-dire plus me pencher sur d'autres producteurs et d'autres prods que je recevais ou d'autres contacts que j'avais, que j'ai contactés. Et faire, voilà, trouver une nouvelle palette de producteurs et de trucs. Ce qui a été un plus pour moi parce que je trouve que c'était le bon moment et c'est tombé... finalement, voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie, tout ce... Il y a ce morceau avec Lino sur le dernier album. Il y a beaucoup de gens qui émettent des réserves sur ton envie d'utiliser du vocodeur. Ouais, c'est l'éternel. Ouais, mais il y a quand même ce morceau quand même qui prouve quand même aux gens, enfin tu vois, que quand tu rappes après Lino, quand tu fais ton... Tu poses après Lino, on retrouve quand même ce qu'on aimait chez Lunatic ou le début de Bouba. Ouais. C'était aussi pour prouver à ces gens-là que tu avais rien perdu de ce côté-là que tu l'as fait. Non, moi je prouve rien à personne. J'ai rien à prouver quand je fais un morceau. Sinon je ferais pas d'autotune. Si je voulais prouver aux gens que je suis le même gars que Lunatic, etc., bah, je ferais un album avec des beats du passé, avec des flows du passé, avec. Voilà. Sans autotune et que du rap. Ce que je peux faire les doigts dans le nez. Et ça m'intéresse pas, moi je fais ce que j'aime. Donc en fait, toutes ces questions-là, pour moi, ça n'existe pas. C'est ça que je voulais dire en fait. Quand je fais ma musique, je me dis pas est-ce que les gens vont kiffer, est-ce que moi je kiffe. Les goûts et les couleurs, c'est impossible de savoir qui va aimer et qui ne va pas aimer. Par exemple, un morceau comme Scarface, il y a plein de gens qui m'auraient conseillé de ne pas le sortir. Je l'ai sorti et voilà, c'est un de mes classiques. Si je l'avais pas sorti, voilà, j'aurais raté un classique. Qu'est-ce qui t'excite le plus aujourd'hui? C'est enregistrer des albums, à arriver à produire des textures de lyrics, de sons, enfin travailler là-dessus, ou tourner, faire des shows comme il y aura Bercy le 5 décembre. Quelle est la part d'intérêt que tu donnes au live aujourd'hui? Est-ce qu'on a le sentiment que ça, c'est pas quelque chose qui te fascinait au début et que ça te plaît de plus en plus? Faire des concerts, faire des shows, c'est un plaisir. Mais moi, quand j'ai commencé vraiment underground, comme on disait à l'époque. J'avais pas vraiment de vrai public, mais ils sont passés par la radio. Donc il n'y avait pas vraiment de complicité, une vraie complicité. Aujourd'hui, je suis connu, je suis médiatique. Donc j'ai un plus gros public, plus large, qui connaît vraiment mes chansons. J'ai énormément de morceaux qui ont marché. Donc il y a une vraie interaction au concert. Et c'est ça que je kiffe. C'est comme quand tu rentres dans un stade de foot, quand tu as tes supporters et que tu rentres et que tout le monde crie ton nom ou crie le nom de ton équipe, ou ils font des chants de supporters. C'est l'adrénaline qui monte et c'est ça que tu recherches comme un boxeur qui monte sur le ring. Donc les concerts, bien sûr, je kiffe. Et c'est pour ça que j'aime aussi les grosses salles parce que ça procure plus d'adrénaline. Et moi, dans la vie, voilà, avant le rap, j'aimais bien le danger. J'aime toujours, j'aime la violence, j'aime la vitesse, j'aime tout ce qui procure de l'adrénaline. Donc moi, si je pouvais aller au Stade de France et chanter devant 60 000 personnes qui chantent mes paroles, déjà, c'est une fierté. Et puis c'est kiffant, quoi. C'est l'aboutissement, en fait. Parce que comme on disait tout à l'heure, je peux être dans ma chambre et dire « Ah, autotune, pas autotune, rap violent, pas rap violent. » Mais au final, quand tu te retrouves devant le public, et toutes ces questions, elles se posent plus. C'est approuvé, les gens, ils ont validé, tout le monde chante. T'as la vraie satisfaction, elle est là, la vraie récompense. Et qu'est-ce qui te fascine dans une salle comme Bercy? Est-ce que t'as l'impression que Bercy, c'est un endroit particulier? On parlait de sport, justement, c'est un endroit où il y a du sport aussi. Est-ce que c'est pour toi c'est l'arène qui t'excite le plus aujourd'hui? Ce qui m'excite c'est le nombre de places. Ça peut s'appeler Bercy, champion, Auchan. Ce qui m'excite c'est le nombre de places. Le nombre de gens qui se déplacent. C'est la vraie récompense parce que quand t'écris t'es tout seul. Tu sais pas si ça va plaire. Et au final tu te rends compte qu'il y a 17 000 personnes qui viennent te voir. Un petit truc que t'as écrit dans ta voiture ou chez toi. Moi c'est ça qui m'excite. T'écris où en ce moment? Il y a des endroits où t'écris plus que d'autres, il y a des endroits qui t'inspirent. Est-ce que t'écris plus quand t'es ici ou plus quand t'es à Miami? C'est quoi les endroits où t'écris? J'écris partout, il n'y a pas de... J'ai écrit un peu tout à l'heure, du punchline dans mon téléphone. J'écris en voiture, j'écris au studio, j'écris chez moi. J'écris au coucher, au réveil.
en boîte. Est-ce qu'aujourd'hui tu sens que tu parlais tout à l'heure du fait que voilà, tu sois devenu père, est-ce que ça a influencé ta façon de concevoir ta carrière? Est-ce que tu te dis aujourd'hui il y a d'autres choses qui me préoccupent? Et est-ce que ta carrière, elle, justement, tu la vois de façon un peu plus détendue? Non, ce qui change le fait d'être père et d'avoir une famille, c'est que ça me donne encore plus de motivation. Parce que quand je regarde mes enfants, j'ai encore plus envie de réussir pour eux. Après, je vis plus vraiment pour moi. Comme si dans une chanson qui n'est pas sortie encore, je dis je ne manque de rien, je ne manque que de temps. C'est ça mon but dans la vie, c'est de vivre le plus longtemps possible et de m'occuper d'eux du mieux possible, le plus longtemps possible. Donc ma carrière, je la prends encore plus au sérieux. J'ai encore plus envie de réussir parce que je suis plus tout seul. Donc c'est une motivation, c'est que du bonheur, que du positif. Est-ce qu'il t'arrive parfois quand tu écris des lyrics, des punchlines un peu... Salaces. Un peu salaces, de te dire mes enfants les liront, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Ils en penseront rien du tout parce que moi je serai leur père quoi qu'il arrive et je les élève et ils m'aimeront quoi qu'il arrive parce que je suis leur père. Et ça, ça n'a rien à voir. Je pourrais être Al Capone, ma fille c'est ma fille, elle m'aimera en tant que père. Mais de toute façon, je dis jamais des trucs qui me correspondent pas, même si c'est salace ou c'est un peu dur, mais je parle jamais de viol, de trucs comme ça, quoi. C'est toujours... voilà. On n'a jamais maltraité de femme, jamais. Tu penses que ça sera facile d'être les enfants de Booba à vivre? Bon, ce sera super facile parce qu'ils habitent pas en France déjà. Donc ils sont incognito et ils sont tranquilles. À ce niveau-là. Après, je vois pas pourquoi ce serait compliqué. J'estime être un bon père, donc ça va. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus aujourd'hui? C'est tes affaires, c'est Uncut, c'est la musique. Comment tu doses en fait ta façon de travailler? Est-ce que tu es toujours en train de penser à Uncut, par exemple, quand tu enregistres de la musique? Comment tu passes d'un état à l'autre? Tout ce que je fais m'intéresse. Quand j'enregistre, je suis Uncut. Tout est lié. Tous les projets que j'entreprends, ils m'intéressent parce que moi, je suis dans un esprit de... J'ai envie de... Je fais les choses en grand. Et je me dis qu'à chaque fois que j'accomplis un nouveau projet ou que... Déjà, c'est sans m'en rendre compte, ou des fois, je m'en rends pas compte, mais c'est des emplois que je donne, tu vois. Je vais travailler des gens. Je nourris des familles, entre guillemets, tu vois. J'ai des employés. Donc ça aussi, c'est une motivation. Parce que sinon, dans la vie, tu sers à... J'ai l'impression de servir à quelque chose. Hein. Donc, tout ce que j'entreprends, tout en ce que je crois, je le fais à fond. T'as des nouvelles envies par exemple? Ouais, j'ai des nouveaux projets, je peux pas encore en parler. Mais j'ai pas mal de projets en cours. Parce que il n'y a pas que le rap dans la vie, moi j'ai toujours fait la différence. Le rap, c'est juste. Une branche de l'arbre. Il y a plein de choses qui sont possibles. On sait que tu t'arrêtes jamais de bosser, que là il y a des morceaux qui sortent tout le temps. Est-ce qu'il y a déjà un 8e album qui est en route? Est-ce que t'as des idées? Ouais, je suis toujours en train d'enregistrer. De toute façon, à chaque album, tu sais, les gens qui connaissent pas le milieu, le business ou le milieu artistique, ils ont tendance à penser qu'on sort un album. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Que je sors un album, que je prends des vacances et qu'après je me mets sur un autre projet. Mais la vérité, c'est que ça s'arrête jamais. Là aujourd'hui, j'ai reçu 15 instrus au moins depuis ce matin. J'ai pas encore écouté, donc je suis toujours en train de créer. Pareil pour les vêtements, je peux me balader, voir, avoir des idées, partager mes idées pour la prochaine collection. Donc quand je finis un album, la plupart du temps, avant qu'il sorte, je suis déjà en train de taffer sur des autres concepts. C'est ce qui se passe là, donc j'ai quelques trucs en préparation. Et voilà, je continue quoi. Il y a des jeunes sur le... Comme le sport, hein. Tu sais, championnat et la fin du championnat, les mecs ils partent peut-être 10 jours en vacances et puis après ils retournent en camp d'entraînement et puis le championnat il recommence. C'est un cycle. T'as toujours mis en valeur des jeunes rappeurs, il y a 40 000 gangs sur le dernier, on t'entend parler de C-Boy aussi. Est-ce que c'est important pour toi de continuer justement à te frotter à des rappeurs plus jeunes? C'est même pas important, c'est un kiff en fait. Parce que je le fais pas. Ce que je fais, d'essayer de signer des gens, créer un label, le site au calme,
dans lequel on reçoit tous les jours au moins une centaine de vidéos de talents de part et d'autre. C'est un kiff. 40 000 gangs, je les ai pas signés parce que c'est des mecs de chez moi et parce que c'est 40 000 gangs, c'est parce que j'aime ce qu'ils font. Shy, c'est pareil, tout, c'est au feeling. C'est des coups de cœur, c'est pas... Tu vois, quand je vois quelqu'un, surtout s'il est proche de moi, qu'il a du talent, si je peux l'aider, c'est avec plaisir. C'est un plus pour lui et c'est un plus pour moi, parce que moi aussi ça me fait briller. Si lui réussit, moi aussi je brille, donc tout le monde est gagnant. Heavily around my throat, I don't play.